Bonjour chers amis téléspectateurs, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un nouveau numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Dodia Ndiaye, la DAF de la mode, en compagnie de Brian. Bonjour. Je veux pas reprendre. Ouais, t'es pas sérieuse. Depuis un certain temps, tu as arrêté de dire la fameuse phrase que j'aime tant, ton cher, beau, charmant chroniqueur. Ok, j'avais pas capté le truc, mais je vais reprendre avec mon cher... charmant et très très beau chroniqueur. Ça te va, Brian? Comment on va? Super bien, toi. Ça, c'est du chantage, tu sais. Alors, cette fois-ci, tu nous amènes où? Au Dolby Theatre de Los Angeles, c'est en Californie. Précisons où s'est tenue la 93e cérémonie des Oscars. Donc, on aura l'opportunité ou encore le privilège de décortiquer les looks des fashionistas à arborer sur le tapis rouge. Yes, sir. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, les Oscars du cinéma Academy Awards sont des récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année depuis 1929 à Los Angeles et destinées à saluer l'excellence des productions américaines internationales du cinéma. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Andra Day en Vera Wang. À première vue, la robe, elle est... Pas à première vue, je dirais que la robe, elle est tout simplement magnifique. Elle aurait pu peut-être mieux travailler ou faire plus d'efforts ou ajouter pas plus d'accessoires. Parce que la robe, déjà, elle est dorée. Donc, le ton est là, elle est super voyante. Elle est... Voilà. Je dirais qu'elle est passable, la robe. Et ça lui va très sincèrement avec le corps qu'elle a et elle s'impose, ça lui va super bien. C'est une robe assez sexy, pas magnifique, pas waouh, mais ça lui va quand même. Ouais, déjà d'entrée, je veux dire que c'est un look assez bof, mais on l'a laissé peu. Surtout à cause du ton de la tenue. Si la robe était dans un autre ton, ça allait le faire. Noir. Oui. Ah, ça, ouais, du noir. Oh là là, ça allait le faire. Je pense que c'est le temps qui a cassé l'ambiance ou bien le délire de la tenue. C'est assez sexy, il y a des ouvertures. Mais en même temps, apparemment, elles ont chaud à voir la liste et elles en montrent un peu plus de peau. Hein. Mais après, je trouve qu'au niveau de la mise en beauté, elle s'est rattrapée. C'est pas trop voyant, c'est limite et tout. Ça lui va ravir, et même sa coiffure, j'aime bien. Bien sûr. Donc, ça fait équilibrer le tout. C'est pas trop saturé parce que déjà, il y a assez, bon, je dirais pas assez de détails, mais il y a déjà assez de découpes qui attirent l'attention. Et puis aussi le temps de la tenue. Donc, elle a essayé d'aller mollo avec la coiffure, et puis ça le fait. Ouais, heureusement qu'elle n'a pas beaucoup trop accessoirisé. Là, je pense qu'elle a compris le délire. Et dans l'ensemble, sincèrement, la robe lui va quand même. Hein. La robe lui va. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Bah, moi, je lui donne un 6. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Angela Bassett en Alberta Ferretti dans une robe rouge. On a l'habitude de dire qu'il vaut mieux ne pas mettre une robe rouge sur un tapis rouge. Mais là, je pense qu'elle a mis la bonne robe. Oh là là. Très sincèrement. Transgresser les règles et tout. Et puis, exactement. Elle a pris le risque. Elle a marqué le coup. Elle s'en est bien sortie avec cette robe. Et que dire de ces manches bouffantes qui forment un nœud sur le dos avec cette cape. La robe lui va très sincèrement. Elle est magnifique, la robe. Ça lui va super bien. Et son âge, que dire de son âge? On ne la sent presque pas. Ouais, j'allais en venir. Elle vieillit gracieusement. Exactement. 62 ans passés, mais elle est toujours au taquet. Oh là là, je t'assure. Heureusement qu'elle ne vit pas quelque part avec un pagne par-ci, un homme qui sort par là, un truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, exactement. Des fois, j'ai envie de raconter des bêtises un peu. Mais avoir la différence, très sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut avoir 62 ans et même plus et ressembler à ça. Exactement, c'est un réel plaisir. Elle arbore si bien cette robe. Déjà, le temps, franchement, ça retient l'attention et puis ça donne envie, quoi, avec les détails, la manche. Exactement. La fente fondue, tu exactement. Vois, assez osée pour son âge et tout. Surtout. J'ai envie de dire qu'elle est à la fois sexy, élégante, très belle. Ouais, exactement, avec ce ton-là. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 7.
Ah, arrête, ouais, moi j'ai préparé mes notes depuis. Pourquoi tu dis un set? J'ai préparé ce set depuis. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai préparé mes notes avant de commencer. On va finir par croire que peut-être tu as entendu pour pouvoir donner les notes. Un set quand même. J'ai déjà préparé ma note. Hein. Je t'ai dit depuis tout à l'heure que je prépare mes notes. J'ai lu dans tes... Est-ce que tu... Peut-être, certainement. Peut-être que tu as un peu de pouvoir. Je pense que c'est... Mais bon, on va voir sur le par rapport au prochain, si tu vas trouver. Et nous passons au prochain. Troisième look du jour, Regina King en Louis Vuitton. Là, je le dis d'emblée, c'est mon coup de cœur du jour. Oh là là, j'adore sa robe. Ah, ça c'est sûr, très sincèrement, qui fait penser à beaucoup de choses, comme ce que je viens de voir entre les lignes tout à l'heure, la Cendrillon modernisée. Ça le fait, ça le fait. Très sincèrement, elle est belle la robe, elle a été super bien revisitée, ça lui va super bien, elle est très très élégante avec cette décolleté plongeante là, sincèrement, elle a choisi la bonne robe. Moi. Toi aussi, ça t'arrive de Paris. Ah, là, sincèrement, ça a été bien fait, au fait. Je sais pas si tu as bien vu. Il y a ces décolletés plongeants qui, très sincèrement... Non, je n'en disais pas, mais apparemment, il n'y a que c'est ça juste qui a le droit que... de parler du décolleté. Oui, bien sûr, parce que j'en ai des non-hommes, moi. J'en ai des non-hommes. Donc, si je parle des non-hommes des autres femmes, c'est pas grave. Mais vous, vous êtes des mecs. Et les mecs, quand ils parlent de non-hommes, ça veut dire autre chose. Ça révèle autre chose. Ça peut penser à autre chose. Ok, alors revenons au look et tout. Mm-hmm. Avant de m'étaler, je tiens à préciser que, franchement, la tenue qu'elle a à bord, c'est un chef-d'œuvre. Mm-hmm. Rien que pour la concevoir, c'est après 140 heures de travail. Tu vois, ça se sent. Ça comporte 62 000 cristaux. Mm-hmm. Non, 62 000 sequins et 8 400 cristaux. Tu vois ça? Quand est-ce que je vais porter cette robe? Tu as vu les détails en ligne? Oui, bien donc, sûr. Il a fallu 62 000 sequins pour pouvoir... Pour pouvoir réaliser tout ça. Oh là là. En tout cas, chapeau au styliste, mm-hmm. au directeur artistique, mm-hmm. femme de chez Louis Vuitton. Oh. Franchement, il a... Fait du bon boulot. Fait du bon boulot. C'est magnifique. La robe, elle est très très belle. Ça lui va super bien. Que dire de ses épaules? Ce bleu bébé, l'encolure en V qui ajoute plus de punch. Au look et puis les manches ballon. Ouais, exactement. Et les là avec la traîne là, juste une toute petite pour montrer cette espèce sirène là. Ça lui va super bien. La robe a su sublimer sa silhouette. Et puis franchement, je vois personne d'autre qui pourrait arborer si bien cette robe là qu'elle. C'est mon coup de cœur du jour. J'adore cette robe. Elle est toute élégante, très très belle. J'adore. Et je lui donne une note de 9. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Un 9. Voilà. Je suis gentille, là. Pour ne pas te piquer ta note, je vais ajouter un 50 là-dessus. Ouais, c'est cool. 50. C'est cool. Comme ça, ils ne vont pas penser qu'on a discuté de ça. Voilà. Yes. Donc, je lui donne un 9,50. Cool. Et nous passons, t'es d'accord? Au prochain look. Quatrième look du jour, Zendaya, dont Valentino Haute Couture. Dans l'ensemble, elle est vraiment belle à première vue. Elle est radieuse. J'adore le ton de la robe, cette robe en mousseline de soie. Elle est très, très belle, très fluide à découpe. Elle nous montre vraiment... Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure. Elle nous montre un peu plus de peau, un peu plus de couleur. Elle est radieuse, en fait. Mais très sincèrement, de mon point de vue, la robe n'a rien d'extraordinaire, à part le ton. Je vois rien d'extraordinaire. Ah, je te comprends et puis je pense que j'ai une partie de raison. Et vu déjà la palette des robes qu'elle a eu à nos propos, exactement. Sur le tapis rouge, mm-hmm. je pense qu'elle peut mieux faire. Mieux faire. Mm-hmm. Bon, après aussi, c'est un classique des années 70 qui a été remis au goût du jour. Mm-hmm. Et voilà, il y a une chanteuse à l'époque, elle se dénomme Cher et tout, elle a arboré une robe comme ça aux Oscars. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc c'est un hommage, on va dire. Un hommage qu'elle a voulu rendre à cette chanteuse. Elle aurait pu le revisiter quand même. Voilà. Mais elle a revisité. En fait, c'est pas identique. C'est pas identique, ça a été revisité. Ça a été revisité et tout. Je sais pas, mais moi, j'ai vu Zendaya dans de meilleurs jours. Même au niveau de son accessoire, très sincèrement, ce ras de cou qui retombe avec deux ou trois autres parties là, ça ne me dit pas. Ça, pour moi, ce collier ne va même pas avec la robe. Ouais, en tout cas, la robe en chiffon lui donne
une silhouette avant-gardiste, notamment à cause des découpes. De la coupe dénudée au niveau du ventre. Du ventre, oui. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? 6. Fouf. Là, très sincèrement, tout à l'heure, tu as fait une petite différence pour que je ne pense pas que tu as de nouveaux pouvoirs. Mais bon, je me dis que tu en as. Non, parce que je garde mes notes. Un 6 aussi. Un 6 aussi. Pas grave. Dorénavant, j'ai le pouvoir de lire dans tes pensées. Oui, tu as un nouveau pouvoir, je pense. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Peut-être que c'est le ramadan, c'est le fait de nous côtoyer là qui te donne des pouvoirs. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Halle Berry en Dolce & Gabbana. Elle a tout simplement mis du chiffon sur des chiffons. N'importe quoi. C'est comme quand tu attaches ton pagne là, quand tu n'as pas de peignoir ou de serviette, tu attaches ton pagne pour aller en salle de bain, pour prendre une douche vite fait, je sais pas moi, et que tu as laissé ton corsage à l'intérieur ou en haut, tout ce que tu veux. Et que dire de sa coiffure? Ouais, t'as raison, genre la partie supérieure est attachée. Oui. Puis la partie inférieure, genre, est éparpillée, quoi. Genre, exactement, quand tu te dépêches pour courir là, aller vite dans les toiles avant que quelqu'un ne te croise. Bah c'est ça, c'est le truc, ça te rappelle des époques, des périodes, ça. Non, mais franchement, ça, son look, là, ça me fait penser à une étoile de mer, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Une étoile de mer qui était posée sur le tapis rouge. Carrément. En plus, peut-être morte même. Avec sa tête de déterré, là. Grandeur nature, tu vois. Avec sa tête, voilà, exactement. Avec exactement. Sa tête, oh là là. Aussi, elle n'a même pas envie d'être là, quoi. Sur c'est exactement. Je ne sais pas si tu arrives à voir, même sa mise en beauté, sa quoi. Non, mais c'est ça, elle a merdé sur le. Ça l'a vieillie, la mise en beauté, là. Exactement. Oh, très sincèrement, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, là. Mais... Normal, genre, naturellement, elle a l'air plus jeune que ça. Et même beaucoup plus belle, naturellement. Naturellement, elle est belle, elle est pas mal, naturellement. Mais là. Comme si elle a été déçue ou trompée, qu'elle a passé des heures à pleurer, à faire. Voilà, quoi. Elle a vraiment un look de déterré. Elle ressemble à rien du tout, là. Elle est allée sur. On l'a obligée d'aller sur le tapis rouge. Sur le tapis rouge, on a tiré les cheveux, là. Viens, tu dois y aller, tu dois y aller. On a dit, genre, voilà, vas-y, porte ça et puis tu y vas. Elle est grande, mais bon. C'est décevant. Obligé, c'est décevant, c'est décevant. Et sur ce coup-là, je le déclarais maintenant, c'est mon flop du jour, je n'ai pas de note pour elle. Ouais, cool. Moi, je lui donne un 2. Un 2, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour sa tête, bien fait pour sa tenue, bien fait pour l'ensemble. Et chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur EFA, dans Fashion Police Africa. Bye bye.